Good morgen, allez, Iden Isra, aujourd'hui le Nishmat Yaakov ben Aïcha, Avram Mordechai ben Yitzhak Befani, David ben Fortuna, Mazen Fritnet, Vora Bat Esther. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Mesechet Nedarim, Perek Aleph, Mishnah Gimel, Omer, Lo Chulin, Lo Ochalalach, Lo Kasher, Lo Dachi, ou La Dachi, Tahor, Tame, Notar, Pigul, Asur. Keimra, Kedirim, Keetzim, Keishim, Kemisbeach, Keechal, Kirushalaim. Nadar Beechal Mikol Meshamshea Mizbeach. Afal Pishalou Iskir Korban, Arezen Nadar Bekorban. Nadar Bekorban. Rabbi Yehuda Omer, Omer Roshalaim, Lo Amar Klum. On continue à découvrir les termes avec lesquels on prend sur soi l'interdit des Nedarim. Je rappelle le principe, la Torah l'insiste. Qu'un neder, il faut le prononcer, il faut l'exprimer. Si je pense interdire une chose, et je prononce même un mot flou, ou je pense que je veux m'interdire de ne pas manger de viande aujourd'hui, et d'un coup, on en dit, j'interdis. Ça veut dire quoi? Eh oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas, le neder n'est pas appliqué, parce qu'il faut prononcer un terme qui est admis, qui soit compréhensible, en étant un terme avec lequel on exprime un éder. D'accord? On avait appris dans la Mishnah précédente le principe des kinouim, des surnoms au serment et au nedarim. À présent, maintenant, on va prendre une notion nouvelle. C'est le, on l'a déjà évoqué dans l'introduction, de la hatpassa. Pour l'essentiel du néder, le néder initial, imaginez quelqu'un qui veut prendre un vrai néder, comme la Torah l'a dit. En disant tous les mots, sans avoir aucune réduction, en disant une vraie phrase, il faudrait dire « Je m'interdis de manger de la viande aujourd'hui je m'interdis la viande aujourd'hui comme la viande des corbanotes. » Ça, c'est la vraie phrase totale, complète, parfaite pour avoir dit un éder, sans avoir eu aucune remise. On a tout dit ce qu'il fallait. J'ai interdit la viande comme un corban. C'est les deux éléments essentiels. J'ai prononcé l'interdit et je l'ai collé à un korban, j'ai été matpis à un korban, j'ai pas le bon mot pour dire, c'est que j'ai pris la gdoucha du korban, et j'ai dit, comme il y a la gdoucha dans le korbanot, je l'applique dans cette viande. Un éder, il faut nécessairement être matpis bedavar anadur, velo matpis bedavar asur, une notion un peu complexe. En deux mots, ça veut dire que j'ai été matpis, je l'ai copié-collé, la gdoucha d'une chose qui était déjà interdite, par ma bouche, donc en l'occurrence par un korban, et pas quelque chose qui est interdit par la Torah. Voilà un peu l'idée qu'il faudrait dire. Ça signifie quoi? Ça signifie que, il y a d'ailleurs un cas type, vous avez prononcé un éder, vous m'interdisez de la viande, vous interdisez de manger de la viande aujourd'hui, et moi je vais m'interdire de manger du pain aujourd'hui, en disant, le pain sera pour moi comme ce que vous avez fait pour vous. J'étais matpis, bedavar, anadour, vous avez prononcé un éder, j'ai copié-collé la gdoucha d'un éder à mon pain il est devenu interdit. Par contre, si j'ai interdit du pain en le comparant, du pain de la viande, en le comparant à quelque chose qui est interdit par la Torah, mais qui est interdit directement par la Torah, pas parce qu'il est devenu kadosh. Alors là, ça ne marche plus, là, c'est pas ça. C'est une règle très spéciale, c'est qu'en fait, si je veux un peu extrapoler, le néder, en fait, c'est une forme de comportement avec la chose comme si elle est devenue kadosh. C'est un peu théorique, d'accord? Prenez l'idée comme ça. Quelque chose qui est kadosh, je fais un sacrilège. Quand tu rends quelque chose, quand tu interdis un objet, une chose en éder, ça signifie que tu veux le considérer comme kadosh, au point où tu feras un interdit de sacrilège, si toutefois tu vas le transgresser. Pire que ça, il y a même un avis qui pense qu'il faut apporter un korban des Yashmeila Bekonamot. Pour un corban, si tout le monde fait son éder. Un corban, si elle a tiré profit d'une chose qu'elle avait interdite. D'accord? C'est vaste comme sujet, mais c'est juste pour vous donner l'idée de le principe initial du néder, c'est de dire que face à moi, la viande sera considérée comme de la viande des corbanotes. C'est-à-dire que maintenant, je vais adopter une conduite face à cette viande-là, comme si c'était quelque chose de kadosh. Et si je transgresse, m'interdit même de Meïla, peut-être. D'accord? C'est le principe général. Donc du coup, un point essentiel, lorsqu'on veut interdire une chose, sans s'exprimer clairement que je l'interdis, mais juste par comparaison, en copiant-collant. Si j'ai cette viande comme un khatat, ça devient interdit. Si j'ai cette viande comme un shlamim,
ça devient interdit. Parce que le shlamim, il y a des parts que j'ai pas le droit de manger non plus. Il y a une gdusha dessus avant d'avoir fait la shrita. Si je dis cette viande comme un ver de terre, ben non, c'est pas kadosh. Parce que le ver de terre, il est interdit à la consommation, mais c'est pas toi qui as prononcé un interdit pour le rendre interdit. Vous avez compris l'idée? Oui, c'est le point essentiel, mieux que ça. Maintenant, la Mishnah, c'est encore trop simple pour la Mishnah. Il faut encore plus compliqué. La Mishnah va commencer la Mishnah en me disant, même mieux que ça, il a dit que ça ce ne sera pas du kadosh. Il a dit que ça sera du non-krouline, du non-profane. Donc, qu'est-ce qui est non-profane? C'est kadosh. L'inverse de non-profane, c'est quelque chose qui est kadosh. Alors, quelqu'un dit à Omer, lo-krouline, lo-khalach. Lo-choline, lo-ochalach. Ce sera kadosh, donc je ne mangerai pas de toi. Ce sera pas choline, donc je ne mangerai pas de toi. Alors il est en train, c'est une phrase un peu floue, mais qui veut dire en fait que je considère tout est bien hein, comme quelque chose qui ne sont pas des choulines. Qu'est-ce qui est pas choline? Qu'est-ce qui est pas profane? C'est ce qui est kadosh. On t'a dit que tu considères c'est bien comme kadosh, tu n'as pas le droit d'y rendre profit, c'est pour ça que lo-ochalach. Que je ne veux pas manger de toi, dans ce cas-là, il a prononcé un bon néder. De même s'il a dit l'eau cachère. Ce ne sera pas cachère, mais cachère dans le sens le contraire de pasoul, les corbanotes qui sont pasoul. Tu as exprimé de nouveau un terme qui s'applique plus aux corbanotes. D'accord? Ensuite, l'eau d'aché. Ce ne sera pas quelque chose, l'eau d'aché ou bien l'eau taor. C'est le même principe, c'est le même mot traduit en araméen ou en hébreu. C'est qu'il ne sera pas quelque chose que ce serait comme pas pur, comme pur. Plutôt que Taor, l'eau d'Aché, l'eau moutard, je me suis trompé, j'ai mal traduit, l'eau d'Aché, c'est quelque chose qui ne sera pas, l'eau moutard, ce ne sera pas quelque chose de permis, mais dans le sens, de nouveau, avec une consonance de corbanote, comme ce qu'il rapporte ensuite, de le Barthénois, il rapporte longuement, il explique, de même aussi s'il a dit, ce sera quelque chose de Taor, je considère ton nourriture comme quelque chose de Taor, où on s'intéresse à Tara et à Touma, que dans le corbanote. Parce que dans le corbanote, ou peut-être dans la trouma, ouais. Mais en tout cas, dans des choses qui deviennent interdites parce que tu les prononces. Dans ce cas-là, tout ça, c'est des bonnes expressions pour interdire. De même, si elle dit, vétamé, ce sera tamé. Pour moi, ce que tu manges, c'est comme si c'était du tamé. Ou l'interdit de trouma et l'interdit de manger que dans le corbanote. De même, encore, ça a dit notar et pigoul, assour. Dans tous ces cas de figure, c'est interdit. C'est quoi notar et pigoul? Notar, c'est les restes d'un corban qui viennent interdits à la consommation. Et pigoul, c'est un corban qui a été. Lequel on a fait la shrita, en pensant à le consommer à ultérieurement, aux limites de temps permises. Ça, c'est devenu un pigoule, c'est un interdit de la consommation, interdit à la consommation, mais malgré tout, ça touche aux lois des corbanotes. Dans tous ces cas de figure, on comprend que tu as comparé la viande à toutes sortes de choses qui peuvent être interdites à cause des corbanotes, donc tu as été matpis bedabar nadour, ça devient interdit. À la différence, et de même, c'est pas la différence pour le moment. C'est s'il a dit Ke Imra, Ke Dirim, Ke Etzim, Ke Ishim. Tout ça, ce sont des choses que l'on apporte au Batamikdash. Imra, alors, c'est des moutons, ou plutôt des chèvres. D'accord? Comme il est traduit en dessous. Ke Se Korban, sans préciser, des moutons. Ou encore, s'il a dit Ke Dirim. Des dirhams, c'est des enclos, mais c'est des enclos qui sont au Batamikdash dans lesquels on avait des animaux pour pouvoir les apporter en corban. Donc tu compares que maintenant, la viande, elle sera interdite à toi comme à un corban. Ka etzim, ou encore comme les bois qu'on faisait monter sur le misbéar. Ka ishim, comme les feux qu'on a mis au misbéar, qu'on n'a pas le droit de s'approcher du misbéar. Ou encore tout simplement, ça le dit ka misbéar. Maintenant, c'est qui dit ça, ce sera interdit à moi comme le misbéar. Autant que je ne peux pas partir sur le misbéar pour faire ce que je veux parce que c'est kadosh. Idem aussi pour cette viande. Ka'echal, ou encore ce sera comme le echal, comme le tabernacle, si je traduis. Ou bien encore Kirushalaim, ce sera comme Yerushalaim, c'est donc quoi Kirushalaim, comme les corbanotes de Yerushalaim, ou encore comme les murailles de Yerushalaim, tout ça sont des choses qui sont kadosh. Eh bien, Nadar Bekol et Bechad Mikol, Meshamsham Mizbeach, encore c'est la prononce en Neder, avec un des ustensiles du Mikdash, du Patamikdash. Que ça, la viande sera pour moi comme la petite fourchette du Betamigdash avec laquelle on retournait la viande sur le qui grillait. Eh bien, dans ce cas-là, Afal Pichalo Eskir Korban Arezen Adar Kebe Korban. Même s'il n'a pas exprimé le mot Korban expressément, il a juste dit des choses qui sont interdites à cause des Korbanotes, et eh bien malgré tout, ça prend le même statut comme si il avait prononcé que c'était comme un Korban, et c'est interdit à cause des lois de Nedarim.
Rabbi Yehuda Omer, Yerushalayim lo amar klomar. Rabbi Yehuda vient, ajoute quelque chose, il n'est pas cholek. Toute la Mishnah de la semaine d'après Rabbi Yehuda, comme la Gemara l'explique, c'est rapporté dans le Bar Tanoura. Non, il ne dit pas comme ça le Bar Tanoura, mais c'est rapporté comme ça, donc tu fais Israël plutôt, qui nous dit que à Omer Yerushalayim, s'il a dit ça, ce sera Yerushalayim. Oh, là, il n'a pas dit qui Yerushalayim, il a juste dit Yerushalayim. Alors, lo amar klom, il n'a rien dit, parce que c'est pas assez précisé. Le principe, il est, c'est qu'il interdit la chose en la rendant comme Yerushalayim. C'est pas comme ça qu'on prononce un korban. Tu peux dire que Yerushalayim, ça implique ce qu'on fait à Yerushalayim. D'accord? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.